Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes aventures et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Little Nightmare, donc un jeu développé par Tazier Studio et édité par Bandai Namco. Donc c'est un petit jeu d'ambiance, aventure, horreur, qui se joue en solo. Donc j'ai juste vu les au niveau des paramètres. Donc je suis en ultra, hein, j'espère que ça ira au niveau de mon PC vintage. Et les sons, donc on peut pas enlever les musiques, j'espère que ça ira sur YouTube. Donc au niveau du prix, normalement l'édition complète se retrouve donc à environ 30 euros hors promotion. Alors, il y a souvent des promotions sur Steam à moins 80%, vous pouvez l'avoir à environ 6 euros. Un petit conseil, attendez les promotions, c'est un petit jeu assez court apparemment. Donc, on se lance sur une nouvelle partie. Donc, choisir une sauvegarde, oui. Et on va voir comment ça se passe. Alors, je me suis rien spoilé sur le jeu, je sais pas du tout à quoi m'attendre. On verra bien. Toujours les petites sauvegardes au début. J'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Alors, Kezako. C'est une personne. Personne avec un kimono, j'ai l'impression. Oui. Donc ça, c'est notre petit personnage avec un ciré jaune. C'est marrant de voir un ciré jaune. D'accord. Donc c'est à nous. Niveau caméra, on peut la tourner comme ça. Très bien. Le A, c'est pour sauter. Donc ça, c'est pour s'accroupir. D'accord. Donc faut rester appuyé. Nous avons un briquet pour voir dans les coins. D'accord. Voilà. Bon, je pense que là c'est le début, on va nous expliquer peut-être un petit peu les touches. Du coup. C'est une lampe ça? Yes! Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Ah oui, faut aller bien se positionner. Et là, on va accroupir. D'accord, ok. Le briquet, peut-être. Ça serait sympa. Alors. C'est marrant comme jeu. La patte graphique, je sais pas quoi en penser. On va voir un petit peu plus du jeu, hein. Je pense que la porte est. Mais elle est gigantesque cette porte.
Soit la porte est gigantesque, soit je suis complètement minuscule. Y a rien dans le coin? Je pense pas, mais... Non, y a rien. Ok. Ah oui, là... Ah, c'est des chaînes. Ah, mais je dois être minuscule. Je suis un mini-pouce. Oh, je contrôle un mini-pouce. Donc là, on peut rien faire avec la porte. Peut pas l'ouvrir, ça? Quoi ça? D'accord. Ah, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, du coup. Je sais pas trop. Je voulais essayer de l'ouvrir. Non. Ok. Pas de problème. Je découvre un petit peu le jeu, hein, donc... Découvre un petit peu au début. On commence à accroupir. Donc apparemment on est sur un bateau. Tous les gosses faisaient ça. Comment on fait là? Ah d'accord, c'est ça et la touche. D'accord, ok. Du PQ. Oh merde! Ah, j'avais pas vu que quelqu'un s'était pendu. Oh, c'est glauque! C'est super glauque! Je sais pas s'il y a des trucs vraiment à récupérer. La lettre? Non. Non, ok. Ah, faut peut-être prendre la chaise alors. Ok. Bon, ça doit aller là. Ok. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est assez pour mon cerveau. Je sais pas si j'aurais dû fermer la porte finalement. Je suppose que l'on peut monter par là. Donc là, c'est une impasse. Ah, on peut passer par là. Mais je voudrais aller voir ce qu'il y a en haut. On sait jamais. Non, pas comme ça.
Comment on peut faire? C'était quoi ça? Il y a quelque chose qui est parti. Kesako. Oh, il y a un petit... Bonjour. Ah, et c'est tout? Oh, je t'allume la lampe, ça te va? Oh bah du coup ici il y a rien. Ok. Bon bah je sais pas pourquoi il est là. Une espèce de fusion entre le schtroumpf et le lutin sûrement. Donc il y avait des traces de main sur le frigo. Hop. D'accord. Donc c'était pas du tout le bon chemin. Ok. Oh. Des espèces de verres au-dessus là. Oh là là. Oh merde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me casse. Petite lampe. Allez, grimpe. Hop là. C'était juste. Et là, ils sont pas tombés. Je sais pas pourquoi. On peut rien faire. Voilà. Donc je suppose qu'il faut aller par là. À moins que... Ok. C'est bon. Eh bien, les animations sont bien faites en tout cas. Ah, il y a un petit là. Où tu vas? Oh, il bouge super chelou. Y a rien par là? Non. Ok. Oh là! Oh merde! Cours, 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 cours! Oh merde! Oh la loose! Oh, c'était complètement dégueulasse! Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, le ciré jaune, il est... Ah, il est mort, là. Allez, on monte. Putain, mais il y en a de partout, de ces merdes. Donc, du coup, est-ce que... Est-ce que si je savais qu'il y avait un piège et que j'aurais sauté pour esquiver, est-ce que je serais tombé du coup? Est-ce qu'on peut... Non. Je suis mort? Non. Non, je suis pas mort. Je voulais voir parce qu'on avait... Sérieux? Mais non!
Et pourquoi il a fait ça, le jeu? Oh là là, mais quel abruti! Donc du coup... Oh putain. Hop là, double esquive! Oh merde! Je sais pas pourquoi je suis tombé comme une merde. Bon ça va, les lampes continuent à rester allumées, hein. Viens ici! Bon, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Parce que j'avais l'impression, vous voyez, il y avait comme un espèce de petit rebord. Ah non, c'est la plaque. Ah, c'est la déca. Ok, c'est la plaque qui était légèrement en dessous. J'avais l'impression que c'était un rebord avec la perspective. Ok. Ah, ça me rappelle les bons vieux Mario. Là, y a rien. Mais je l'ai pas revu. Comment ça se fait? D'accord. Donc il faut se dépêcher. Mais comment ça se fait que j'ai pas revu le petit connard? Bon bref. Pas grave, de toute façon, je sais pas quoi faire avec. Comment j'ai fait ça? Ah d'accord, X c'est pour courir. Ok, pas de souci. Cours, 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 cours. Ah ouais, c'est fait pour, hein. C'est fait pour. Si tu cours pas, t'es dans la merde. Donc ici, il y a une plaque. Il y a un trou de souris. J'espère qu'il n'y a pas de souris. Du coup. Vas-y, remonte. J'ai l'impression que... On va plutôt essayer de voir par là. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Oh, c'est chelou comme truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon signe ça. Y'a quelqu'un qui s'est évadé de prison et nous, comme des gros nazes, on repart dans l'autre sens. Bon après nous on passe à travers les barreaux, hein. C'est l'avantage. Ok. Donc on a les rats. Bon, ça apparemment c'est électrifié. On n'a pas un petit truc. Orienter la caméra.
Ouais, je veux bien. Ah, d'accord. Faut suivre le câble. Vas-y, pousse la porte. Ah là là. Ah non. La caisse de PQ. Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Y a des petites mains là. Peut-être elle est au-dessus. Y a un passage au-dessus. Alors attendez. Faut que j'essaye un truc là. Ok. Hop là. Non. Ok, c'est pour revenir de l'autre côté. Y a encore des petites mains là. On peut pas faire de balançoire déjà. Non, on peut pas ouvrir. D'accord. Alors le problème c'est que... Ah, c'est encore électrifié. Donc on a le train. On peut pas faire derrière le train. Ok. Allez. Je fais des tractions. Je fais des tractions, tranquille. Non, c'est pas là. Oh, ah oui. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, attendez. Et merde. Naturellement. Hop là. Allez, grimpe. Ah, dis-moi que tu peux grimper. J'aurais voulu grimper de l'autre côté. Alors attendez. On va faire ça comme ça. Là, c'est une plaque. Ça me paraît tellement chelou. Oh, y a un cendrier par terre et tout. Pas où est-ce que c'est là.
Ah, me dis pas qu'il faut courir tout le long pour passer les deux portes. Ah, oh, ça serait abusé. C'est pour ça que... Oh, à tous les coups, c'est ça. Il faut passer les deux portes d'un coup. C'est pour ça qu'il y a le moyen de retomber ici. Ça doit être ça. Ok, super, joli saut. Bien joué, Inax. Ok, allez, c'est parti. Ok. C'est pour ça que ça mettait un petit peu de temps. Doit passer les deux portes comme ça. Y a quelqu'un qui va sortir d'une porte. Non, quoique c'est fermé à clé. Oula. Ah, il y a un œil. Ok. Ok. On va attendre un peu. Je sais pas si ça éclaire la lampe. Eh oui, ça éclaire la lampe. Grimper comme ça? Et donc c'est automatiquement par là. Ah, par les caisses. Ça peut servir d'échelle, ça. Yes. Alors par contre, un espèce de petit lutin qui est passé là. Ouais, il est là. Bonjour, petit bonhomme. En fait, faut juste lui faire un câlin. Ok. Ah d'accord, on peut repasser directement comme ça. Ok. Il y a quelque chose de l'autre côté? Parce que là, je suppose que c'est la suite. Il n'y a pas de musique, c'est vraiment ambiance, ambiance, hein. Ah, c'est le truc qu'on a cassé la dernière fois. Bon, ça fait une petite, un petit truc, je pense qu'il faut, il faut le faire, hein, mais. Je vois pas en dessous. Sais pas. Bon, autant y a rien. Hein.
Autant y a rien. Ah, il y a quand même les petits pas sur le sol, les miens, d'accord. Bah, c'est le petit souci de détail qui me plaît bien, ça. Après, c'est pas grand-chose, hein, mais il y en aurait pas eu. Pas que ça m'aurait déplu, attention, mais j'aurais été presque déçu. Parce que c'est un petit jeu sympathique et ça serait dommage de. Ça serait dommage de pas faire ça. On a l'impression qu'il y a des gens, non? Au fond. Ah, c'est des enfants? On dirait des enfants. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on en est. Je sais pas si c'est par chapitre ou pas. Donc je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Bon, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Je vais continuer histoire de voir ce que ça nous réserve. Ça a l'air d'être des petites énigmes. Enfin, des petites énigmes, oui et non, hein. Faut savoir quoi faire pour passer à la pièce suivante. On va continuer, on verra ce que ça vaut. Bah écoutez, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Commentez, partagez. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine!